Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, j'ai été nommé directeur général des entités internationales, messagerie, affrètement, freight et overseas. Le directoire me fait confiance pour mener à bien cette mission et je compte bien y parvenir. Pour faire un petit historique avant d'aborder la partie stratégique, le groupe Mazet passe de génération en génération depuis bientôt 100 ans. Mon père m'a transmis les valeurs du travail, son savoir et sa confiance. Tout comme Philippe Tardieu, avec qui je suis en binôme depuis 4 ans. Je les remercie fortement. Il était prévu que Philippe me forme pour reprendre sa place. C'est maintenant l'heure du passage de témoin. C'est une nouvelle ère pour le groupe Mazet qui commence et une nouvelle mission qui démarre pour moi. Avec toujours le même objectif, faire du groupe Mazet une entreprise prospère qui traverse les années et les générations comme c'est le cas depuis bientôt 100 ans. Comme je vous l'ai déjà dit, pour mener à bien cette mission, j'aurai besoin de vous tous. Notre entreprise s'est bâtie avec des femmes et des hommes qui forment une véritable équipe à travers toute la France. La conjoncture économique, les marges de notre métier, la réglementation, notre responsabilité sociétale et environnementale nous obligent à nous réinventer, nous améliorer et nous développer chaque année. Nous avons déjà parcouru une première partie du chemin avec la modernisation de notre charte graphique, notre ouverture vers l'extérieur avec les réseaux sociaux professionnels, notre politique RSE avec le passage de nos véhicules au colza et l'embauche de nouveaux collaborateurs qui ont renforcé la qualité de notre production et de nos process. Il est temps maintenant d'apporter un nouveau coup de boost à notre société. Pour cela, j'ai recruté un directeur opérationnel Europe, qui remplacera de ce fait Jean-Luc Léger et Philippe Ligny, avec pour objectif d'augmenter nos synergies, développer notre division internationale, améliorer nos process et recentrer notre vision vers le client. En plus de cela, la mise en place d'un project manager nous permet d'aller plus loin et plus vite dans nos projets d'innovation et d'amélioration continue. Plusieurs projets sont en cours, que ce soit le projet de digitalisation, le déploiement de formation, de production et de services clients sous un format ludique, ainsi que la refonte du contrôle de gestion avec les équipes en place qui sont moteurs dans cette évolution. Le mix entre nos collaborateurs expérimentés et la nouvelle génération pleine d'envie est selon moi le cocktail parfait pour atteindre nos objectifs. Pour conclure, n'ayons pas peur du changement et de l'évolution. Nous y avons tous notre place pour faire briller notre entreprise. Merci à tous.